Eh bien voilà, nous sommes à Bocholt. Bocholt, quatrième manche du championnat de Belgique de rallye. Une manche toujours très spectaculaire et tout à fait atypique puisque c'est la seule se disputant avec une grosse partie terre. Beaucoup de spectacles, de belles images et de beaux résultats. Les interviews complètes également des vainqueurs et de différents pilotes présents sur ce rallye. On vous fait vivre ça tout de suite maintenant avec les images de notre ami Hervé. Ça m'étonne que cette copie là, ben oui, coordinateur chaude. Maintenant on est deuxième, il nous reste encore un spécial à faire et je crois que ça va être difficile, vitesse pure, de rattraper Chris. Mais par contre, toute la journée, on était quand même très près, à 1, 2, 3 secondes, sauf une spéciale où il prend toujours 9-10 secondes. Mais pour le reste, pour le championnat, on fait très bon. Écoute, maintenant le prochain rallye, c'est Ypres, donc on veut se concentrer sur Ypres. On sait bien qu'on va avoir beaucoup de clients avec le R5, mais on va quand même essayer de gagner encore Ypres pour une 9e fois. Ça va, depuis le début on a pris la tête, donc il reste maintenant une spéciale, j'espère que ça va aller comme ça, ça va bien aller, qu'on va pas avoir de problème, pas faire d'erreur. On a à peu près 35 secondes d'avance maintenant sur Freddy, donc voilà, on croise les doigts. Mais Ypres, on ne fait pas parce qu'on ne peut pas rouler avec la Subaru et louer quelque chose, c'est beaucoup trop cher, je trouve. Donc, normalement, on bloque van Vlaanderen et East Belgium et Condron en fin d'année. Passé, on a fait une bon rythme aujourd'hui. On a pas fort attaqué, mais on a fait une bonne rythme et maintenant on est quatrième. Donc j'espère qu'on va rester comme ça. Encore une spéciale à faire, donc je pense que ça va aller. La suite du programme pour vous, c'est quoi? On sait pas encore, normalement East Belgium ou le Condro, ou les deux, je sais pas encore. On va encore une fois voir après ce rallye ici.